Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous êtes en forme. On a eu du beau temps pendant plusieurs jours, en tout cas par chez moi, et je suppose que c'est un peu pareil partout, même si la pluie arrive à nouveau. Mais vous savez quoi, c'est pas grave. La nature a besoin de la pluie. Alors, bah bonsoir, Sandra, Muriel, Corinne. Je prends dans l'ordre, hein, j'essaye. Hein. Donc vous avez bien causé ensemble, c'est très bien. Isabelle, bonsoir Jaël, Sylvie, Carmen, Maria, Vanessa, Lucie. Alors j'adore, pardon, Lucie, toutes les maniaques de ce beau loisir qu'est le scrapbooking. Mais oui, quoi, on est maniaque du scrapbooking. Maria, oui, colibri, c'est un joli oiseau, en effet. Hop là. Bonsoir Suzanne. Alors merci Suzanne de faire le coaching. Alors c'est vraiment, elle chauffe la salle, Suzanne. Alors est-ce que vous avez bien, donc, prête pour une super soirée, scrap pyjama, blague et devinette à portée de main et carambar dans la bouche. Heureusement que les commentaires, ils sont par écrit, hein. J'adore, j'adore. Bonsoir également Simone. J'espère que toi aussi tu es en forme. Bonsoir Christine. Encore une minute Sandra. Donc Sandra, j'ai cru voir, ça va à peu près. Alors j'espère que ça va quand même, que c'est pas trop grave. Bonsoir Sonia. Bonsoir Daniel également. Oups là. Attendez, tout a sauté. Ah, j'en étais où? Ah zut. Bon, ben je sais. Ah voilà, bonsoir Daniel donc, bonsoir Sophie, Delphine, Laure, bonsoir Jess, bonsoir Isabelle, Ariel, Claudia, Véronique, Christelle, Nathalie, Catherine, Nathalie encore, bonsoir Stéphanie, une autre Stéphanie que d'habitude, c'est très bien, bonsoir Véronique, c'est bon. Ah Véronique, alors est-ce que les sous-titres fonctionnent? Ah oui, j'avais dit que j'essaierais, donc j'espère que ça marche, parce que là j'ai coché tout partout, je sais plus où cocher d'autres. Bonsoir Françoise également, une nouvelle venue, mais parfait. Alors Françoise, on a besoin pour le live de blagues carambars. Attends, on a aussi des carambars en taille normale. Pour le live, c'est le matériel indispensable. Non, je rigole. Donc on est là aussi pour rigoler, mais aussi pour scraper quand même. Bonsoir Christine également. Sabine, bonsoir. Bon, ça y est, on a fait les présentations, tout ça, les salutations. On peut commencer. Donc on est impatiente, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce que Rachel elle a prévu encore. 5 cartes. Alors, 5 cartes en 1 heure, ça fait une moyenne de 10 minutes par carte, puisque je parle quand même. Donc, et puis la dernière, elle sera un peu plus longue. Donc on va dire 10 minutes par carte. Autrement dit, on sera en retard. Enfin, on va finir en retard. Je vous préviens à l'avance, comme ça, si vous voulez commencer à ranger des choses, tout ça, vous pouvez, quoi. Voilà. Alors, avant qu'on commence, en plus, parce que bon, c'est... Voilà. J'ai en plus oublié la semaine dernière de vous montrer quelque chose, donc je dois vous le montrer aujourd'hui, c'est malin, vous allez dire, mais quand même, je vais rapidement vous montrer ceci. Bonsoir également Aurélie. Françoise, oui, bon, coucou, donc Françoise qui dit re-bonjour à tout le monde. Donc là, je vous avais promis au lancement du catalogue que je ferais à nouveau des partages, donc des partages de papier, etc. Eh bien, comment est-ce que ça marche? Ah, les sous-titres ne marchent pas. J'ai coché vraiment partout. Je pense que ça marche juste pas en live. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bref. Donc, du coup, les partages, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, maintenant j'ai perdu mon fil. Du coup, bonsoir Isabelle. Donc, je vais vous montrer ici sur mon blog. Donc, ça, c'est la page d'accueil de mon blog. Hein. Vous connaissez certainement. Si vous connaissez pas, bah, l'adresse, elle est. Attendez, là, comme ça. Vous voyez, scrapiniumbyrachel.com. Ça, c'est l'adresse de mon blog. Et pour trouver les partages, c'est tout facile. Vous allez en haut ici, vous voyez, à accueil, shopping. Et donc, dans shopping, vous avez ici la troisième point, c'est partage du catalogue annuel. Donc, si je clique ici, si ma souris est d'accord, alors attendez, on reprend. Shopping, partage du catalogue annuel, voilà, quand on clique dessus et que la souris est d'accord pour que ça fonctionne, on tombe sur cette page. Et donc, sur cette page, qui n'est décidément pas d'accord avec le partage aujourd'hui. Donc on a... Oh bah alors, pourquoi ça veut pas? Je sais pas pourquoi ça veut pas descendre. Donc bref, on a les partages, notamment des papiers cartonnés, vous voyez. On a plus bas, si j'arrive à descendre... Non, on veut pas, voilà. On a aussi... Pourquoi tu fais ça? Ma souris, elle veut pas. Oh, comme par hasard, hein. Donc on a également... Non, ça veut pas, hein. Donc on a les papiers cartonnés assortis au papier design. Vous voyez ici, coordonnées au design. C'est pas... Voilà. Coordonnées au design. Et il y en a de plusieurs sortes. Donc pour les voir en grand, vous pouvez juste cliquer sur les photos, il n'y a pas de problème.
ça s'agrandit tout simplement, et vous avez un formulaire à chaque fois pour choisir ce que vous voulez. Pareil pour le partage des papiers design. Donc voyez ici, papier design, vous choisissez via le formulaire. C'est également ce qui est indiqué là dans les points, voilà. Et vous remarquerez que pour les papiers design, j'ai travaillé par format, parce que bah, forcément, suivant les formats, on en a un certain nombre, pas les petits, vous voyez, le 15-15, là, par exemple, la première ligne, la vif et coloré, il est en 15-15, du coup, il y a plus de feuilles. Et les 30-30, il y a moins de feuilles, mais ils sont plus grands, donc on peut couper en deux. Hein. Donc, je vous invite à lire les détails. Et également ici, pour les ornements, parce que les ornements aussi, ça se partage. Mais oui, en plus, c'est super pour les petits budgets. Donc, si vous voulez essayer tous les ornements du catalogue à petit prix, bah, vous pouvez. Et bah pareil, c'est avec un formulaire que ça fonctionne. Donc je vous explique dans ce post toutes les règles, donc n'hésitez pas à aller voir, à lire en détail, on va pas s'étendre dessus. Et il y a également ici, vous voyez, pack adhésif. Donc pack adhésif, ça c'est tout nouveau depuis le week-end dernier. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des adhésifs Stampin' Up. Donc vous voyez, je vous ai mis en photo ici ce qu'il y a dans le pack adhésif. Il y a un peu des échantillons de tout. Donc il y a tous les dimensionals, les noirs, les petits, les grands, les normaux, les en mousse. Donc c'est des feuilles adhésives, c'est pas des dimensionals, les feuilles adhésives en mousse et en plat, on va s'en servir aujourd'hui justement. Il y a un rouleau de papier adhésif, comment on appelle, déchiré facile ou je sais plus quoi. Bref, il y a tout ça à l'intérieur du pack, et pour le commander, eh bien il suffit pareil de remplir le formulaire. Donc il y a mon truc qui marche pas encore, je sais pas pourquoi, il est passé où le texte? Bon, bref, il y a le texte là, et donc le formulaire, pardon, il est juste ici aussi dans le texte. Et vous remarquerez ici en bas, je mentionne également que c'est offert aux clientes or. Donc les clientes or, qu'est-ce que c'est et à quelles conditions est-ce qu'elles peuvent l'avoir? Eh bien, je vous invite à aller voir donc la page carte de fidélité qui est également en haut de la page. Voilà, bon, ça c'était le petit interlude, on va dire, pour... vous faire attendre, voilà, tout simplement, et puis pour vous montrer aussi ce que vous pouvez avoir en ce moment. Partage, yes, ok. Bonsoir, donc toutes celles que j'ai pas vues, bonsoir, bonsoir. Suzanne, j'adore quand tu tricotes pour nous indiquer les éléments sur l'écran. Non mais c'est horrible, je suis pas faite pour ça, quoi. Non mais surtout quand la souris, je vous assure, sur mon écran, ça faisait des dessins tout seul. Comme du coloriage, du gribouillage. Enfin bref, on va pas... voilà. On va pas s'étendre. Donc bref, tous les liens sont sous la vidéo si vous souhaitez utiliser les solutions de partage. Et n'hésitez donc pas à me contacter si vous avez des questions. Bonsoir également Ludie. Laure, peut-on passer commande de plusieurs choses à une fois? Oui, tout à fait. Papier cartonné, design et ornement. Tout à fait. Alors il y a plusieurs formulaires. Il y a un formulaire pour le design, pour le cartonné. Et pour les ornements, par exemple, mais tu me mets une note, surtout. Et puis, on fait évidemment qu'un PayPal et un envoi, et je calcule les ports pour que tout fonctionne en un seul envoi, évidemment. Hein. Donc, voilà. Il y a mon adresse email partout, donc vraiment, je vous invite à me contacter. Les formulaires, c'est vraiment plus simple pour moi et pour vous, pour avoir une trace après de la commande, de ce que vous avez commandé, etc. Mais bien sûr, on communique. Hein. Évidemment, pas de problème, quoi. Alors, on commence ? 10 minutes, voilà. Donc, il nous reste vraiment 10 minutes par carte. Attention, quoi. Alors, la première carte. Donc, le principe ici... Ah oui, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai ressorti les paillettes. Voilà, parce que, bon, on parle de mariage. Donc, du coup, la manicure qui va avec le mariage. Un petit peu de bling-bling. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. Donc, on va commencer par une idée de carte si on n'a pas beaucoup de matériel. Ah oui, et la spécificité aussi que je voulais absolument faire aujourd'hui, c'est si on n'a pas beaucoup de matériel, et peu importe si on a beaucoup ou pas, mais on n'a pas de site, de set de tampons dédié au mariage. Parce que j'en ai pas. Et je me suis dit, ben, si j'ai un mariage demain, j'ai pas de set de tampons, comment je fais? Ah, mais ça doit intéresser quelqu'un. Enfin, quelqu'un, quelques-unes, certainement. Donc, du coup, je me suis dit qu'on va voir ça ensemble. Sans set de tampons dédiés, qu'est-ce qu'on peut faire? Des solutions pour faire des cartes pour des mariages. Pour un ou des, hein, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi vous en servir pour des idées de faire part de mariage, si vous le souhaitez, si vous vous mariez, pourquoi pas. Voilà. Attends, Véronique, bonne idée, mais... pas mal, je vois ton vidéo, mais dommage pour moi, je ne comprends pas. Ouais, vraiment. Je pense que les sous-titres... Est-ce que quelqu'un pourrait lui écrire que les sous-titres seront mis après le live? Parce que je pense que ça se met vraiment pas en live. J'ai tout coché, je vous promets. Tous les endroits, je comprends pas. En plus, je suis actuellement en train de faire des cartes de mariage. Je dois en faire trois, mais magnifiques, Sandra! Donc du coup, tu pourras en faire... Alors les maths, attention, les trois quarts,
les 3 cinquièmes de mon live, tu pourras refaire, voilà. Et t'as pas non plus de tampon dédié, tu fais ça avec des raids. Nice, parfait. Alors, donc si vous avez pas beaucoup de matériel, par exemple vous n'avez que un set de tampons, uniquement, par exemple et au hasard, celui-ci, Marguerite en jouet. C'est très bien parce que vous avez notre super mot ici, un peu, beaucoup, passionnément. Donc ça marche très bien pour les mariages, évidemment. Et puis on a des fleurs, et ben les fleurs c'est génial pour les mariages. La seule chose à laquelle on doit vraiment faire attention, c'est un... On reste sobre, vraiment délicat. Parce qu'un mariage, en général, ils aiment bien avoir... Enfin, je pense que vous remarquerez, hein, sur les faire-part ou quoi, ça reste très précieux. Voilà, ça reste délicat, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc j'ai choisi une couleur sous l'écume qui est pas foncée, pas tape à l'œil, rien. Et malgré ça, je vais quand même la faire en deux temps pour qu'elle soit encore plus claire. Vous allez voir. Donc là, je vais prendre cette feuille-ci. Cette fleur-ci. Voilà. Comme ceci, hop, et puis le mot, autant que j'y suis, hein, autant le sortir tout de suite, comme ça on fait du bruit qu'une seule fois avec tous les plastiques, là, voilà, hop, un brouillon, mon petit tapis, comment on appelle ça, tapis en mousse, parce que, eh bien, on veut tamponner avec des tampons clear qui n'ont pas de mousse, donc c'est bien, t'inquiète pas, un jour je verrai le replay, ok, super, merci Véronique. En plus, mon frère, attends, dans le replay, ok. Au hasard, t'as vu, Laura, hein? Au hasard. Les marguerites au hasard. Ouais. Bref, donc on va tamponner une fois sur le papier, parce que ça reste quand même un peu foncé. Et puis une deuxième fois sur la carte directement. Mon mot, je vais le mettre à peu près là. Donc à peu près aux deux tiers, c'est pas vraiment les deux tiers, bon bref, à peu près là. Donc je calcule dans mon esprit que mon étiquette, qui est une chute hein, d'ailleurs parce que j'ai pas beaucoup de matériel, va venir à peu près comme ça, voilà. Et du coup, bah, c'est en fonction de ça que je vais mettre mes petites fleurs ici. Je pense même que 3 ça suffirait, hein. Voilà, histoire de rester vraiment sobre. Ou bien est-ce qu'on en met 5? Parce qu'on va rester Non, je vais rester à 3. On va rester en chiffre, impair. Voilà. Intéressant, le kit adhésif, ça donne une idée de produit. Bah oui, décidément, tu aimes ce lot marguerite. Mais oui, je l'aime, ce lot marguerite, tout à fait. merci beaucoup, donc, pour... merci Isabelle, hein, donc, pour les sous-titres de Véronique. Coucou Isa, coucou également Eliane, c'est une très bonne idée, merci. Donc les mariages, je suppose que tu parles, Suzanne. Les sous-titres, merci Sandra, t'as pas non plus de temps. Bon voilà, ça j'ai lu, impeccable. Alors, au niveau blague, parce que là, j'ai envie de me débarrasser d'une blague que j'essaye de retenir depuis 2 jours, parce que le papier carambar s'est déchiré en 1000 morceaux, vous savez, des fois ça colle et du coup il reste pas en état, du coup j'étais obligée de le jeter. Et je me suis dit, cette fois tu vas le retenir. Donc, la blague que j'ai retenue et qui encombre mon cerveau, c'est que peut dire une vache à son petit pour lui donner un conseil? Voilà, quel conseil peut donner une vache à son petit? J'ai retenu ça, c'est bien, hein, on progresse. Voilà. Un peu beaucoup passionnément. Comme c'est beau déjà. Magnifique. Évidemment, on va pas le laisser que comme ça. Hein. Donc, on essaye là de faire... On a répété, on n'a pas beaucoup de matériel. On a fait du sobre. Hop. Mais ça doit être sobre, mais précieux. Donc, on va pas faire que comme ça. Oh, bonsoir Carole également. Bonsoir. Je t'avais pas vu. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On peut le pousser. Mon étiquette, elle me semble un petit peu grande. Alors, je vais la couper. Alors, que dit un petit, ou bien quel conseil donne une vache à son petit? Ah, je vous ai posé une colle, hein. Bon, je vous aide, ça fait partie, elle parle un peu de l'avenir. Voilà. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir. Ah oui, non, Sophie, pardon, je t'ai vu, je crois, je sais plus. Sois concentrée, presque, vas-y, tiens, ça irait bien avec le lait, ça, sois concentrée, ce serait pas mal non plus. Bref, et donc comme ruban, j'ai pris celui-ci et je me suis rendu compte que j'en avais plus beaucoup. Donc prenez un ruban, là c'est fin, c'est l'organza avec des paillettes dedans. Et puis bah, on va faire un Z de Zorro. Alors l'étiquette, j'ai dit qu'on la met comme ça. Donc il faut que le Z de Zorro, il passe en dessous de l'étiquette évidemment. Hop, hop, et puis hop. Voilà, on va dire à peu près, quoi. Nadia, bonsoir, bienvenue, tu es enfin de retour, tu nous avais manqué.
Alors, qu'est-ce que tu dis? Tes lives m'ont beaucoup manqué, oh, ces derniers temps. Heureuse de te retrouver, ainsi que toutes les filles et garçons. Merci Nadia. Nous aussi, on est contentes de te retrouver. Enfin, bon, façon de parler, enfin, les vacances sont finies. Non, je rigole. T'as le droit d'avoir des vacances, quand même. Et voilà. Comme ceci. Alors là, ça dépasse beaucoup, quand même. Donc, comme à nouveau, il faut que ça rentre dans l'enveloppe. On coupe. Hop. Et voilà. Et donc, l'étiquette, évidemment. On va la remettre. Ah, mais oui, c'est ça, Corinne. L'étiquette, on va la mettre en dimensional. Donc, Corinne a trouvé, évidemment, c'est il faut faire de ton me. Elle est bonne, hein, quand même. Hein. Ah oui, Véronique, vraiment, je vais lui écrire après un message. Hein. Je suis désolée. Merci donc à Sandra et à Véronique. Leur vie vaut. Ah oui, vaut pas mal, Muriel. La vie vaut le coup d'être vécue. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas ça. C'était fait de ton me. Voilà. Et ensuite, on va mettre quelques bling-bling. Pour ça, j'ai pris les perles irisées. Voilà. Il m'en reste plus beaucoup, tellement je les aime. Et là, pareil, on va en mettre quelques-unes, évidemment. Tac. Et tac. Et voilà. On pourrait presque en mettre plus, à vrai dire. Mais bon, on va rester sobre. Voilà. Une petite carte avec du matériel basique. Que si vous avez d'autres fleurs, un autre mot, un n'importe quoi, ça vaut également de la même façon. Donc le mot-clé, c'est rester sobre. Donc sobre en couleur, sobre en motif et en déco. Donc voilà, une carte simple avec très peu de matériel. On est bon, on est dans les temps. Ha! Moins de 10 minutes. Ah bonsoir Nathalie, Yaya, bonsoir également. Oui, bravo, bah, Sandra, elle la connaissait. Évidemment que Sandra la connaissait. Oh. Quelle surprise! Bon, bref. Voilà, trop drôle ma blague, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première. On la met de côté. Deuxième idée. Alors, pour la deuxième idée de carte, j'utilise ici le papier nature métallisé. Parce qu'on va faire une carte maintenant qui est en monochrome, mais métallisée. Parce que bah, c'est un mariage, il y a souvent des alliances. Donc, du métal, n'est-ce pas? Alors, monochrome métallisé, c'est parti. On va prendre métallisé. Couleur argentée. Alors, je mets ça à côté. On est organisé hein, aujourd'hui, je vous raconte même pas. Donc, ça c'est bon. Je me mets, je sais pas, là. Voilà. Et puis donc, ça c'est ce qu'on va utiliser. Ça aussi, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, vous reconnaîtrez, c'est le ruban Méli-Mélo or et argent qui sont dans les exclusivités en ligne uniquement. Donc, je vais le mettre là, on va l'utiliser tout à l'heure. Et puis donc, notre base de cartes, toujours la même, hein. 21 sur 10,8 parce que je ne l'ai pas mentionné encore, mais c'est ça, que l'on plie en deux. Voilà. Et notre super papier là, donc là j'ai pris le motif argenté, on va faire un monochrome argenté et juste après je vous montre l'idée en monochrome or, voir ce que ça donne. Ah, il y a une blague, pourquoi les Indiens d'Amérique ont-ils froid? Ils sifflent quand ils sont chauds? Ah, attends, c'est quoi? Ah non, alors, il y a deux blagues. Donc, Suzanne, pourquoi les Indiens d'Amérique ont-ils froid? Sylvie, quelle différence entre les gendarmes et une cocotte minute? Ils soufflent quand ils sont chauds, c'est ça? Bonsoir, bonsoir Ah, Grionnet, Claude, pardon. Bonsoir Claude, excuse-moi. Je travaille quand même ma mémoire, hein? Vous me faites travailler ma mémoire, hein, avec les surnoms et je dois ra me rappeler des prénoms. Hein. Comme quoi, je ne suis pas si nulle en mémoire que ça. Vous voyez? Je vous laisse deviner la suite. Ah, parce que Christophe Colomb. Colomb. Pourquoi est-ce qu'ils ont froid? Parce que Christophe. Mais c'est pas froid, tant Christophe Colomb, non. Oh, colonise, non. Donc là, je mets intentionnellement de travers. J'aurais peut-être pu utiliser l'autre colle pour pouvoir le bouger au dernier moment, mais bon, c'est pas grave, ça va. Donc c'est un petit peu de travers, vous voyez. Mais c'est un format, tu l'aimes, tu le coupes, hein. 10 sur 14,4. La différence aucune. Car quand ça siffle, c'est cuit. Excellent. L'or, 21 par 10,8 ou 14,8? Attends, j'ai peut-être dit une bêtise. Donc 21, 14,8. J'ai peut-être dit 10,8 et ça, ce serait faux. Merci beaucoup, l'or. 21 de large, 14,8 et on plie à 10,5. Ça, c'est la base. Hein. Aucune, oui, donc, car ça siffle quand c'est cuit. Elle est excellente. Et donc, les Indiens d'Amérique? Oh, parce que Christophe Colomb les a découverts. Non, mais. Donc ils ont froid, forcément. Forcément, quoi. Voilà, donc là c'est la base, on la met de côté. Maintenant, on va faire un peu d'embossage à chaud. Mais oui, parce que ben, l'embossage à chaud, ça fait magnifique en
métallisé. Donc là, j'ai pris la poudre argent qui est dans le pack métallisé hein, de Stampin' Up, voilà. Et puis les outils pour embossage parce qu'ils sont bien utiles. Et puis on va ici tamponner un motif. Donc avant de tamponner, on peut utiliser, si on veut, parce que c'est plus pratique, ce petit sac avec du talc à l'intérieur, qui a certainement un nom, mais je ne sais plus lequel. Et puis on va utiliser ce set-là de tampons, parce que ça fait longtemps, tendres attentions. Et puis les motifs là, ils sont tout fins, et donc tout beau, tout beau. Et pour un mariage, chic, joli, sobre, eh ben c'est parfait. Donc là on va prendre le grand motif ici. Et le grand bloc est derrière l'ordinateur. Mais oui, c'est très malin, Rachel. Alors, un instant. Le bloc est derrière l'ordi. Voilà, on y est arrivé sans trop de problème. Voilà. J'ai pas tout débranché, c'est pas mal. Voilà, donc là, on va tamponner ceci. Ouf, je fais en même temps. Ah, tu fais en même temps, Laure. Les 5 cartes, tu vas faire en même temps. Bon courage. Hein. Bon, si c'est possible, en fait. Mais bon, moi, je me suis préparée. Les mesures que j'ai données, c'est pour la dernière carte, par contre. Hein. Donc là, je tamponne avec la Versamark. La Versamark, on rappelle, c'est un encreur avec de la colle dessus, en gros. Et donc, eh bien, ça va me mettre le motif en version collant. Eh ouais. Donc là, je vais tamponner normalement, c'est-à-dire... j'applique la colle sur le papier blanc que j'ai tamponné à l'avance. Si quelqu'un veut faire d'ailleurs ce format-là de papier blanc, c'est 8 sur 12,5. 8, 12,5. Léon, merci. Voilà. Ah, je couvre quelque chose. Attends, mince. Ah, j'ai une petite blague. Deux poules discutent. Alors, quoi de neuf? Je couvre quelque chose. Alors, pour info, Carmen a des poules. Ça se trouve, tu as eu l'idée en observant tes poules, c'est ça? Je couvre quelque chose. Pas mal du tout. Voilà, donc là, on a bien mis notre motif collant. Vous voyez normalement que ça brille. Il est là, invisible pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que là, on va le rendre, grâce à la poudre, tout à fait visible et tout à fait tout de suite visible. Voilà. On y va quand même délicatement. Hop, tapote un peu pour les derniers petits restes qui pourraient s'envoler. Et voilà. Et là, ça fait OK, le motif, il est beau, hein, mais quand même, c'est tout moche. Hein, je veux dire, le motif argenté, il n'est pas là du tout. Hein. Alors ça, je le rangerai après parce que, à nouveau, 10 minutes pour par carte. Donc, hein, on va ranger ça après. En espérant que je ne le ferai pas tomber juste après. Bon, on va voir. Voilà, et donc, on va embosser. Attention le bruit. Désolée. Ah bah Carmen, dis donc, t'as fait... tout le monde rigole, là. C'est une de la carambar. Bah ouais, alors. Ils sont trop forts, les carambars. Hop, donc là, on embosse. Et waouh, ça commence à devenir plutôt très joli. Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas, mais ça devient très beau. Waouh, waouh, waouh. Et voilà, oh, trop beau. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'embossage à chaud, c'est juste magnifique. Vous voyez comment le motif, il est très fin, donc, et il est fin en embossé. Franchement, là, on peut pas faire mieux. Hein. Donc, pour un mariage, ça, c'est classissime. Classissime. Alors, Ghislaine. Bonsoir, donc Redmond Russiano. Je pense que c'était Ghislaine ou bien Guylaine. Guylaine, Ghislaine. Oh, je sais plus. Mais je suis déjà presque. Bon. Pas mal ton truc en plastique pour récupérer la poudre. Mais oui, ce sont les accessoires. Ils sont dans la boutique. Hein. Ce sont les accessoires. Ça s'appelle kit pour accessoires embossage ou je sais plus quoi. Bref, si tu tapes kit, normalement tu devrais trouver ou bien accessoires. Je sais plus. Je vais peut-être le mettre en dessous de la vidéo. Ce sera plus malin de ma part. Voilà. N'est-ce pas, Véronique hein? C'est beau. Hein? Oh, oui, elle m'entend pas. Zut. Qu'est-ce que je veux dire? C'est beau quand même, mais oui, c'est beau quand même. Alors, donc, à l'avance, j'ai aussi préparé ceci. Donc, c'est le mot qui est dans le même set. Parce que, à nouveau, hein, on n'a pas de set spécial mariage, mais on a ici que votre amour fleurisse toujours, qui va merveilleusement bien, je trouve. Déjà en embossé, parce que c'est tout fin, tout précieux, tout, voilà, tout magnifique. Et qui va aussi parfaitement avec le motif. Oh, mais ouais, quoi. C'est pas mal. Alors voilà, donc ça, c'est le premier truc. Et puis, bah, maintenant, on va assembler tout ce petit monde. Puisque maintenant, je pense que c'est refroidi. Oui, c'est refroidi. Tac, on va mettre le ruban par là.
on va dire, parce que le mot aussi, on va le mettre par là, on ne veut pas trop cacher non plus le motif qu'on vient d'embosser avec grand-peine. Avec grand-peine, attention, quoi. Et puis ça, j'ai encore pas collé droit. Bon, c'est pas grave. C'est de l'art. Voilà. Tac. Voilà. Ces fleurs sont d'une finesse remarquable, mais oui. Idéal en effet pour un mariage, évidemment. Ah merci, Ghislaine, donc je vais y arriver. Hein. Attends, t'as ton caddie, ça veut dire quoi? Amsterdam. Oh, ah, quelle est la femelle du hamster? Amsterdam. Je l'ai lu dans un. C'est dans une de mes blagues que j'ai ouvert. Amsterdam. Laure, que dit une mère japonaise pour savoir si tu as pris un chariot de course? T'as ton caddie. Ouais, t'as ton caddie, c'est bien ça. Ça doit être ça. Et les bling-bling, mais attends, j'ai pas fini, Isabelle. Oh là là. Attends, no stress, no stress. J'ai pas fini, me stresse pas. Je suis en forme. Ok, ça va, calme-toi, Rachel. Ça va aller. Tout va bien se passer. Voilà. Et là, je me suis dit que pour rendre ça encore un peu plus spécial, eh bien, on pourrait le courber un petit peu, comme ça. Vous voyez ce que ça donne? Donc ça, c'est pas une de mes astuces, c'est une astuce de Carmen qui vient, qui est là, là, qui commente. Et que je me suis dit, tiens, mais oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et donc on va juste le courber et on va mettre la colle que bah, au niveau du ruban, forcément, et puis à peu près vers ce niveau-là. Donc vous voyez, on met la colle juste là comme ça. Et comme ça, le reste de la carte va continuer à dépasser un petit peu. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça, vous voyez? Et bien sûr, on va l'incliner dans le sens opposé à l'autre qui est en dessous, hein. Vous voyez, là, en dessous, c'est opposé, c'est incliné, pardon, ce n'est pas droit. Et du coup, on va mettre ça dans l'autre sens, pas droit. Pfff, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors, on est parti. Hop. Et là. Et voilà. Et donc, j'ai dit dans l'autre sens. Concentre-toi. Attention. Hop. Voilà. Comme ça. Tac. Et donc le haut et le bas, vous voyez, il reste un petit peu. On peut jouer encore avec pour que ça soit encore plus incliné, hein, si on veut. Mais ça reste un petit peu comme ça. Bonsoir Nadine. Alors, il n'y a pas de sexe dans les hamsters. Mais si, c'est Amsterdam, forcément. Bravo Nadia. Qu'a dit Nadia? Amsterdam, voilà, c'est bien ça. Comment faut-il alors? Bah oui, ils se reproduisent quand même. Les mariés vont-ils comprendre que c'est fait exprès? Mais oui, parce qu'ils comprennent que je suis une artiste, voyons. Vraiment, c'est joli cette carte, j'adore. Bon, c'est parfait. Moi qui suis en plein dedans, ben, ça veut dire quoi? En plein dedans le mariage? Ah, mais oui, c'est vrai, t'as un truc, un thème mariage, toi, tu faisais un album ou je sais plus quoi. Tu m'as dit ça en plus, tu me l'as écrit aujourd'hui. Mais ma mémoire était encombrée avec la blague que je vous ai dit au début du live, du coup, j'ai pas retenu grand-chose de tout ce qui m'est arrivé dans la journée. Maintenant que la blague est partie de mon cerveau, eh bien, je pourrais retenir ce que j'ai fait dans le live. C'est pas mal déjà. Ah, oh, je rigole. Hein. Non, mais ouais, Aurélie, tu es en train de faire un album, je crois, ou bien des faire-part, je sais plus, de mariage. J'ai oublié. Je suis désolée. Désolée, désolée. Voilà. Alors, mon petit nœud magique, tout facile à faire. Voilà. Et ensuite, donc, ça, on relève bien, parce qu'on veut que les mariés sachent que c'est fait exprès. Voilà. Vous voyez, comme ça fait pas mal. Hein? Et puis ça, on va le mettre évidemment en relief également avec les dimensionals. Dimensionals ici et là. Ah, j'ai réussi à mettre de l'argenté sur mon ongle. Non, ça va, tout est parti. Hop. Et on colle. Bon, l'étiquette, on la colle droit quand même. Parce que bon, le reste, c'est pas droit. Mais ça doit quand même être un minimum droit. Enfin, on essaye quoi. Voilà. C'est à peu près ça. Comme ceci. C'est pas mal là, hein, déjà. Hein? N'est-ce pas? Pour des mariés artistes, ça car pas collé de travers. Ah oui, pour eux, ça doit être. Oui, ok, ça doit. Ils doivent être artistes eux aussi, quoi. Alors là, pour les bling-bling, j'ai pris ceux-là. Ces perles autocollantes rouges et vertes qui ont donc du rouge et du vert, mais aussi, accessoirement, de l'argenté et du doré. Et c'est trop beau, je trouve, l'argenté et le doré. Vous voyez, le doré, il est bien parti déjà. Bref, et donc ceux-là, ils reviennent en fait. Ils étaient dans le mini catalogue d'hiver et ils les ont remis au catalogue annuel pour mon plus grand bonheur. Parce que bah, le bling-bling qui brille en plus, alors là, fou, je ne raconte même pas. Donc bref, on met du bling-bling là. On en remet un autre là. Et puis un autre par là. Voilà. Et puis on est bon. Alors. Allez, j'ai mis 12 minutes. Ça va quand même. Elle est belle, hein, ma carte. Ça vous plaît au moins, j'espère. Très joli vœu. Bon, très bien. Moi, j'aime cette carte très fraîche. Ah, super. Très fine, élégante, etc. Ah, Christelle, elle a une blague. Madame et monsieur Verser ont quatre filles. Joie. Alors, ça doit être joyeux anniversaire. Alors, Annie. Donc, Anne. Annie.
Les autres, je sais plus. Il y en a une qui s'appelle Annie. J'imagine, hein. Alors, la version dorée. Vous voulez voir ce que ça donne, la version dorée? Ben voilà ce que ça donne, la version dorée de cette carte. Alors là, pour la version dorée, j'ai utilisé le papier vanille. Voilà, tellement vanille. Parce qu'on ne pense pas souvent. Mais les thèmes de mariage, très souvent, c'est écru. Écru ou bien ivoire ou ce que vous voulez. Moi, j'avais ivoire et chocolat. Pour mon mariage, c'était le thème ivoire, chocolat et or, évidemment. Enfin, voilà, il fallait que ce soit un peu précieux et bling-bling parce que sinon, hein. Donc, c'était ivoire, chocolat, argent. Or, pardon. Et bref, donc le ivoire peut très. Le vanille, voilà, peut très bien marcher aussi pour un mariage. Et donc, la version dorée qui brille est aussi également de mille feux, évidemment. Et j'ai pris les mêmes bling-bling, hein. Voilà donc ce que ça peut donner. Donc ça, c'était la carte numéro 2. On passe à la 3. D'ailleurs, on va utiliser aussi du beige pour la 3, enfin du vanille. Alors attendez, parce que je ne veux pas tout révéler quand même d'un seul coup. Oh là là, tout va tomber. Bah tant pis, hein. Tout va tomber. C'est tout. Oh. Voilà. Alors, pour cette carte-ci, je me suis dit qu'on allait changer de format. On change de format, on change de bling-bling. Du coup, on range avant que ça se disperse là. Voilà, ça je les garde pour après. Et j'ai besoin d'un petit bout de ruban. Alors, pour cette carte-ci, on utilise un format carré de 21 cm, c'est-à-dire 21, 21. On plie en deux ici à 10,5. Voilà. Parce qu'on peut aussi jouer pour un mariage très facilement avec le format. Donc là, un format allongé comme ça, c'est juste très classe également. Enfin, ça dépend de la déco, hein. À nouveau, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre les petits animaux du zoo, hein. Ça fait autre chose. Mais ça, en tout cas, pour un mariage, ça fait un motif, enfin un format très intéressant. Ensuite, j'ai pris deux bandes de papier. Pour cette carte-ci, je voulais montrer notamment comment est-ce qu'on peut faire quand on a un mariage à thème coloré. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent. Donc ça, j'ai trouvé sur Internet. En ce moment, il y a beaucoup avec. J'ai oublié comment ils appellent les couleurs, mais bref, ça, et avec par exemple aussi du chamotte qui s'ajouterait. Et je ne sais plus si ça s'appelle pas bohème ou je sais plus. En tout cas, moi j'appellerais cette carte-là champêtre. Du coup, on va faire une carte-là champêtre. Parce que des mariages à thème champêtre, eh ben il y en a pas mal quand même. Allez, je pousse tout ce que j'ai coupé là. Voilà, mes bling-bling pareil. Voilà, parce qu'on va devoir ramener Madame la grosse machine. Donc là, j'ai coupé un cercle pour la décoration. Donc c'est le cercle des formes à la mode, pardon. C'est le plus grand cercle, vous voyez, forme à la mode, c'est le plus grand. Tac, ça rentre parfaitement. Tac. Toi aussi, Simone, tu aimes beaucoup la version vanille. Ah, en or, hein, donc, ok, très très bien. Ghislaine, t'as loupé la première. Ah, juste loupé la première. Oui, mais la première, ça va. Vive le replay, ça va aller. Non, ah, il y avait une blague. Donc Christelle, ah mais oui c'est Annie, voilà, Annie c'est la quatrième, il en manque trois, bah oui c'est ça. Joy, oui pour joyeux, joy. Mauve mélancolique, tout à fait, je sais pas qui a demandé la couleur. Mauve mélancolique, lagon lointain et donc vanille, très vanille, voilà, très vanille. Et on va utiliser après bon, ces compositions artistiques. Pour le moment, on va utiliser pour faire l'embossage ce pliard d'embossage, ce pliard... qui fait partie des 3D essentiels. Et je voulais vous montrer une autre astuce que j'ai appris pendant la rencontre de lignée, qu'on a eue donc fin avril. Donc c'est super les rencontres de lignée, déjà, premièrement. Et puis on apprend des choses en plus. Et donc là, j'ai appris comment faire ceci. Parce qu'on n'arrête pas d'apprendre avec Stampin' Up. Alors attendez, parce que là, pour le coup, la grosse, elle prend beaucoup de place. Et je voudrais la mettre sur ma droite, parce que le truc pour tourner, il est sur la droite. Voilà. Et je voudrais quand même que vous voyez ce que je fais. Alors. Qu'est-ce que c'est qu'on a appris pendant la rencontre de lignée, me demanderez-vous? Eh bien, on a appris comment on fait pour embosser toute une largeur comme ça dans nos petits trucs à gaufrage là. Bonsoir Viviane également. Et Rose. Ah, Elsa Rose Mona. Elsa Rose. Ah, Elsa Rose, mon anniversaire. Véronique, je suis. Désolée, je te laisse. Bah oui, je peux pas suivre. T'inquiète, je reverrai le replay. Oui, ok. À plus tard, Véronique. Bye bye, Véronique. Désolée. Hein. C'est pas Mona, mais tu as les deux premières. Alors, Elsa Rose. Elsa Rose. Bonsoir tout le monde, Nicole. Bonsoir. Magnifique, bonsoir. Ok, donc on va apprendre là comment. Parce que du coup, vous racontez les blagues. Je suis obligée de lire les blagues, vous comprenez? Donc là, on va apprendre comment faire pour allonger l'embossage. Ça, c'est valable, mariage ou pas mariage. Hein. Allonger l'embossage sans qu'on ait le trait ici. Ah, comment qu'on fait?
Bonne question. On s'est tous posé cette question un jour. Donc voilà, là je vais juste le mettre. Hop, et on va faire tout le gaufrage, évidemment, puisque le premier, ben, c'est un embossage normal. Pardon pour le tremblement de terre, voilà. J'oubliais bonsoir à toutes aussi, Viviane donc qui dit bonsoir à tout le monde. Corinne, bonsoir. Je pense que c'est une autre Corinne, oui c'est une autre Corinne puisque l'autre s'appelle Colibri. Donc une autre Corinne, bonsoir, tu as un homonyme aussi ce soir. C'est Colibri, elle s'appelle Corinne. Voilà, comme ça je fais les présentations. Elsa Rose, Laure Annie, ah Elsa Rose, Laure Annie, Verser, oui c'est ça, quatre filles, ben ça fait ça, Christine je pense, ben c'est toi qui avais dit la blague, ah non c'était Christelle qui avait dit la blague, et donc je pense vraiment que c'est ça. Donc voilà, là on a notre embossage fait complètement, vous voyez, mais ça s'arrête là. Alors ben là on va le remettre dedans, et l'erreur qu'on fait classiquement c'est qu'on le met jusque là, et après on ferme et on le passe. Le problème quand on fait ça c'est que là on a un trait qui se fait et qui est pas beau. Donc là, on va le mettre, pas au milieu, enfin, on va le mettre, voilà, dedans. On peut le mettre au milieu si on veut, pour que ça tienne. Donc là, on le met ici, et on va le poser de telle sorte qu'on se rappelle où est la fin. Donc je vous conseille de prendre une des lignes, là. Vous voyez, on a des lignes qui sont dessinées. Ici, on a une, ici, on a une. Hop. Et de mettre ça comme repère. Moi, je trouve, enfin, j'ai fait ça tout à l'heure, je trouve que c'était pratique. Du coup, pour à peu près voir où est-ce que ça s'arrête. Voilà. Une fois que c'est fait, on ferme. Hop, voilà. Donc, mon embossage s'arrête ici. Vous voyez, il est fait ici. Et là, je vais prendre ma plaque ici, l'autre, et je vais la mettre de telle sorte qu'elle s'arrête au niveau de la ligne. Mais ouais, comme ça, on ne verra pas la liaison. Attention, c'est parti. Voyons voir si ça fonctionne. En live. Tu nous gâtes ce soir. Mais oui, hein, parce que je voulais absolument que ça vous... Marc, ça vous plaise. Et voilà, et là quand on le regarde dans tout son long, donc vous le savez, j'ai déjà perdu, voilà, c'est ici, la ligne elle est ici. Mais très franchement, ça ne se voit pas, ou quasiment pas. Voilà. Et voilà comment on allonge un embossage pour faire toute une longueur, et voilà. Donc j'espère que cette astuce vous plaira, moi elle m'a bluffée, et donc un grand merci à Carmen à nouveau de nous avoir appris ceci. Donc la star du live de ce soir, ce n'est pas moi, c'est Carmen qui nous apprend des choses, quelque chose est tombé, je ne sais pas ce que c'est. Alors voilà, et donc là on va tout simplement coller tout ce petit monde, voilà, pour que ça nous fasse donc le bicolore des mariés. Donc les mariés, on va imaginer qu'ils ont choisi cet assortiment-là de couleurs. Vous pouvez le faire avec toutes sortes d'autres couleurs. Cet assortiment-là, en particulier, je l'ai trouvé sur Internet. Alors si on tape couleur mariage 2023, eh ben ces couleurs-là, elles ressortent. Donc c'est intéressant. Et il y avait même en plus le chamotte. Mais bon, je me suis dit chamotte cuivré donc. Qui a un autre nom évidemment sur Google, hein, mais je me suis dit que celui-là, avec ce mauve-là, ce serait pas mal du tout. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà, donc comme ceci. Là, on va pas coller, Rachel, parce qu'avant de coller, eh ben on va forcément prendre, comme je vous ai dit, les découpes de ceci, qui vont avec dans les mêmes coloris, mais oui. Et pas tout à fait, donc dans les mêmes coloris, vous voyez que ça, c'est le lagon, ça c'est le mauve mélancolique. Mais j'ai aussi pris des coloris assortis, plus clairs, histoire d'avoir un peu de profondeur également, et une petite, oui, une petite variation quoi, de couleur. Donc ça c'est le sous l'écume, et ça c'est le bain bulle que j'adore. Voilà. Alors, superbe astuce, n'est-ce pas? T'as vu Aurélie, hein? Donc comme quoi, tu as loupé certes la rencontre de Lié, mais c'est pas trop grave. Oh, mince, mon stamp pencil est en train de mourir. Il faut que je prenne une recharge qui n'est pas du tout à côté de moi là. C'est pas grave, on va prendre l'autre du coup, hein, on va prendre le style normal pour la suite. Ça vous dérange pas, j'imagine. Voilà, bon bref, donc du coup, comment parler toute seule? Allez voir Rachel. Voilà, voilà. Alors là, je vais mettre ceci. Donc, c'est comme le live de la semaine dernière, là. Hein. Vous les connaissez, ces jolies formes, là. Elles sont sublimes. Hop, donc je vais juste superposer ou pas. Attendez, je peux peut-être même comme ça mettre... Pardon, comme ça, il manquait un mot. Non, il faut quand même mettre de la colle, là. Voilà. Et que ça dépasse pas Rachel par-dessus. Comme ceci. Là, on va aussi en rajouter parce qu'on va mettre notre petit... comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner de l'autre côté, en fait. J'espère que ça va aller. Mais oui, voyons, ça va aller. Hop, comme ça. Qu'est-ce que ça donne?
Bah déjà, ça donne très bien, moi je pense. Déjà là, c'est top, 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 top. Oh, Rachel, elle est contente. Bon, bien sûr, on va mettre du doré parce que c'est un mariage. Donc voilà, le seul truc avec cette découpe-là, c'est que les feuilles, elles sont, c'est dommage, elles seraient cachées si je ne les coupais pas. Donc je vais les couper pour pouvoir les utiliser ailleurs, n'est-ce pas? Et donc on va mettre la grande feuille par là. Et là, il manque de la colle. Hop. Comme ça. Ah, c'est dommage parce que là, ça va être juste derrière. Attendez. Attendez, on va faire autrement. Ben non, on va faire autrement. On va faire comme ça ira bien. Ah, c'est dommage quand même. Non, c'est un petit peu trop caché, moi, je trouve. Du coup, celui-là, on va le couper. Hop. Heureusement, j'ai pas beaucoup appuyé. Et puis, on va mettre ailleurs. Tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de arbitrairement mettre tout. Enfin, laisser les trucs comme ils sont, en fait. Hein. On peut le mettre là, par exemple. C'est pas mal, là. Ou bien là, au fond. Là, au fond, c'est bien aussi. Hein. Allez, hop, au fond. Ce sera là, au fond. On n'a pas trop le temps de tergiverser parce qu'il y a encore deux cartes à faire là. Attention. Hein. Hop. Voilà. Comme ça. C'est pas mal, hein? Mort du stamp pencil en direct, ta vidéo va être censurée. Ah non, Muriel! Ah voilà, donc on n'oublie pas que le cercle va venir là. Oh bah ouais, ça va cacher un petit peu celui-là qui est pourtant beau. C'est bien dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe et on le met ailleurs. Mais oui. Parce que ben, ce serait quand même dommage qu'il soit pas visible. Tiens, ben là, il y a une place. Hop. Parce qu'il est beau comme tout, hein, ce petit lagon là. Ben voilà, hein, donc ça c'est mieux déjà. Et puis ici, on va mettre les petites branches là. J'ai oublié le nom. Sous l'écume. Tac. Voilà. Donc pour ici, ce sera très bien. Et puis on en garde un petit peu pour aller derrière le cercle là, comme ça. Ou bien même comme ça, pourquoi pas. Et puis une là. Ou bien une là. Ouais, une au fond, là, comme ça. Et puis après, on pourra coller. Enfin. Bon, juste pour dire, hein, donc, thème champêtre, eh ben, on peut mettre des couleurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Google. C'est sur Internet, partout, qu'on peut mettre des couleurs champêtres. Bien sûr, il faut que ce soit les couleurs du mariage, hein. Donc là, ça vaut cette carte-ci. C'est si les mariés ont choisi des couleurs, un thème spécifique, pardon. Eh ben, ça, c'est pas mal du tout. Voilà, on met ça là, et puis on est bon. Je pense que j'ai mis de la colle un peu partout. C'est pas grave. Cool l'astuce, n'est-ce pas, hein? Pourquoi vous êtes mort de rire? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je te nargue encore, mais non, je te nargue pas. Ah voilà, tout le monde dit bravo Carmen. Mais oui, super astuce, merci Carmen. Mais ouais, c'est grâce à elle. Hop. Tac, tac, tac. On colle ça comme il faut, bien le long, et voilà. Pas mal hein, pour l'instant. Très bien, on est content. Et puis ben là, on va faire juste des petites fleurs qui sont quelque part. Voilà, je me suis dit, on va les prendre, ils sont là. Hop, donc là, je vais prendre juste bah, une ou deux fleurs. Bon, voilà, qu'on va à peu près, on va répéter, pardon. Les fleurs, elles sont très fines, très chic, donc on adore. Prendre celle-là et celle-là, ça va? Ouais. Et bien entendu, on va les mettre dans la même couleur, ou presque. Quand je dis ou presque, on va prendre exactement les mêmes couleurs, mais on va juste les faire en deux temps, c'est-à-dire une fois sur le brouillon, tac, et puis une fois là, comme ça. Voilà. Ensuite, en mélancolique, tac, on fait exactement la même chose. Hop là. Voilà, par exemple. J'en mettrais une troisième, moi. Je ne sais pas ce que vous en dites. On met une troisième? Ouais, on met une troisième. Voilà, alors du coup, j'ai plus de blagues dans ma tête. Elles sont écrites sur sur les carambars. Donc surtout, n'hésitez pas à en faire vous. Parce que là, je ne sais plus. Voilà, donc du coup, on va les ranger. En plus, elles sont juste à côté. Mais c'est que, ouais, malheureusement, j'ai toujours que deux mains. C'est embêtant, hein. Il faudrait vraiment une troisième. Qui c'est qui avait dit ça l'autre fois? Mais non, parce que sinon on en ferait encore plus. Ce qui est vraiment vrai. Enfin, ce qui n'est pas faux du tout. Bref, voilà. Cool l'astuce. Elle est super jolie, c'est ma préférée. Oh, merci Eliane. Super. Bah, tu vois. Et c'est pas fini encore. C'est pas fini. Tac, après, il y aura un mot. Donc, on va faire juste ça. Voilà, ça suffit. C'est bon comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. On enlève le brouillon. Et on peut prendre ceci. Ça, c'est le bouchon de quelque chose. Voilà. Ah bah oui, il en manquait une. Enfin, il en manquait. Non, on a dit qu'on allait mettre ça derrière. Et puis, bah, pourquoi pas le doré aussi, en fait.
comme ça, là. Ça ferait bien, ça. Mais oui, ça ferait très bien, ça. Allez, hop. Alors, j'ai dit où? On reprend. Juste là. Et voilà. Tac. Hop, hop, hop. Juste une comme ça, une autre là. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon, comme ça. Voilà, et ceci, on va évidemment le mettre en surdimensional. On va en mettre un justement là, pour être sûr que tout ce monde-là tienne convenablement. Et puis après, on fait le tour. Comme ça. Voilà. Oui, une troisième fleur. Oui, tout à fait, Carmen. Ça faisait déséquilibré sinon, hein. On est d'accord. Hein. Hop. Et voilà. Eh ben non, c'est pas et voilà, Rachel. Il manque le mot et les bling-bling. Oh, mais oui, mais attendez un petit peu. Alors déjà, il manque le ruban, n'est-ce pas? Donc le ruban, j'avais dit qu'on le mettrait comme ça, voilà. Et puis le félicitation. Donc ce mot-là, félicitation, il vient du super lot que je vous conseille toujours. Hein. Pensée merveilleuse, il est ici, le félicitation. Et il a donc les poinçons qui découpent les mots. Comme ça, on n'a pas besoin de détourer les mots tout seul. Alors Valérie, coucou! Pourquoi Hulk a un beau jardin? Oh, bah alors ça... Oh Isabelle, merci, des likes pour Rachel, merci Isabelle. Pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin? Alors ça par contre, quelle bonne question. Alors ça, je pense que je l'avais mis, voilà, à cheval, c'est mieux. À cheval, donc sur le petit, sur l'autre là. Sur les deux, Rachel. À cheval, sur les deux tout simplement. Les deux papiers, voilà, à la limite, comme ça. Et puis le félicitation, on peut donc le mettre, comment on va le mettre? Au-dessus, à côté? On va le mettre juste là, je pense. Ça me semble très bien. Sur Dimensional? Mais oui, sur les petits Dimensional. Allons-y. C'est parti. Alors, on a la place sur le FE. Et est-ce que ça, ça va rentrer aussi? Sinon, on coupe en deux. Hein. Peut-être au milieu, là, on aura peut-être de la place. Mais à vrai dire, on n'a pas besoin d'en mettre partout. Puisque comme il sera à cheval, il est à cheval aussi sur le relief. Voilà. Alors, il a la main verte. Ah, le jardin de Hulk. Pourquoi Hulk a un beau jardin? Mais oui, il a la main verte. Oh, vous êtes trop forte, quoi. Isabelle, bonsoir, coucou. Pas de problème pour... Oui, tu peux reprendre en replay sans aucune hésitation. Bien sûr, bien entendu. Voilà. Comme ça. C'est beau ou c'est pas beau? Thème champêtre. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, ceux qui se marient, choisissez thème champêtre. C'est très beau. Thème champêtre, c'est bien. Et en bling bling, là, je me suis dit que les papillons en laiton brossé, eh ben, ils seraient parfaits. Parce que, bah, bling bling, laiton brossé, c'est presque comme le doré. En tout cas, ça va très bien, je trouve, avec le papier métallisé. Et puis, thème champêtre, quoi. Donc, bon, bah, thème champêtre oblige papillon. Voilà. Donc, on va en mettre comme il faut. Hop. On pourrait en garder que deux, à vrai dire. C'est pas mal. J'hésite si on n'en met pas un autre en haut ou bien si on garde que deux. Et je pense que... Sinon, on en mettrait même 5, quoi. Oh ouais, ça ferait beau aussi. Je sais pas. Non, je vais en laisser que deux, écoutez. Hein. Sauf si quelqu'un me dit, mais en 5, alors je mettrai 5. Bonsoir Florence. Très joli. Bon, ça vous plaît aussi. Très bien, Virginie, merci. Simple et efficace, n'est-ce pas? En 18 minutes. Bon, d'accord. Non, non, je crois que j'ai commencé un peu après. Bon, je sais plus. En tout cas, voilà. Donc, ce que ça donne avec la super astuce du gaufrage, de l'embossage que l'on peut poursuivre donc sur les 21 cm. Donc, visiblement, ça vous plaît. Une blague difficile. Quelles sont les courses les plus rigolotes? On l'avait déjà eu, je crois. Alors, c'est pas le marathon, ça, c'est le truc des sportifs. Très joli, j'aime beaucoup. Bon, personne me dit d'en mettre 5, donc ça veut dire que je laisse juste les deux papillons. Hein. Ça va, vous êtes tous d'accord? Sinon, je les rajoute. Hein. Allez, on est jusqu'à la fin du live pour me dire de rajouter ou pas les papillons. Quatrième façon de faire. Ou bien quatrième idée que l'on pourrait avoir pour faire une carte de mariage, ce serait par exemple de faire tout en monochrome, une seule couleur. Peut-être que la mariée, ou bien les mariés, parce qu'en théorie tout le monde décide, mais bon en pratique on sait bien que c'est la mariée. Peut-être que la mariée voudrait faire en monochrome. Et là on pourrait aussi voir l'utilisation du papier vélin. Parce que le papier vélin, pour les mariages, eh ben, c'est juste top top top. 6 mois 5, ah il y en a une qui veut 5, bah oui moi aussi, hein, j'étais fraise comme dire, oh ce serait dommage quand même. Ok, bon bah grâce à Isabelle on en met 5, voilà. Il n'y a personne qui me dit non, on garde 2, on en met 5, voilà. Ce sera une belle carte comme ça. Alors on va en mettre un là. Du coup il en faudrait un quand même par là, hein, moi je pense, hein, pour le coup. Voilà. Près du mot là. Attends, c'est la même direction que le petit là-bas, donc ça va pas, félicitations. Et puis un autre là,
Je sais pas l'autre, où est-ce qu'on va le mettre? Là en plein milieu? Pourquoi pas? Ou bien là? Non, là-haut, ce serait mieux encore. Voilà, on va le mettre là-haut. Là-haut par là. Voilà, c'est comme s'ils s'envolent comme ça tous. Voilà. Le trimaran. Oh, c'est trop bien! Ta carte est superbe et plus encore avec les papillons. Deux suffisent. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, allez, on passe à la suivante parce que sinon, on s'en sort plus. Donc, la prochaine en monochrome avec une couleur. Papier, couleur, pardon, frésia en fleurs cette fois-ci. Pareil, la couleur que le marié choisit, si possible en couleur claire. Souvent, on se marie au printemps, en été. Donc, voilà, couleur un peu estivale. On peut faire autrement, comme on va voir après. Mais pour l'instant, on va choisir couleur estivale. Donc, une base, toujours la même taille. Que l'on plie ici en. Ah oui, j'ai cru que j'avais oublié le mot, mais non. Que l'on plie en deux. Et puis. Une base, donc toujours pareil, je disais, donc 21 cm sur 14,8 que l'on plie en deux. Et cette fois-ci, on va prendre dans ce sens-là. Donc comme celle de la précédente, mais je veux dire, tous les autres, on avait pris dans ce sens-ci. Donc là, on va changer un peu. Et donc avec le vélin. Alors ce vélin-ci, c'est un vélin essentiel, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez que je le retrouve. Essentiel en vélin, voilà, j'étais pas loin. Essentiel en vélin. Et donc on a les motifs rayés, à pois, pardon, et feuillus. Et là, aujourd'hui, on va utiliser les feuillus, vous aurez remarqué. Parce que bon, on est presque encore dans le thème ah, champêtre, presque. Donc voilà, donc là, ça nous ferait une super base, par exemple, pour un peu atténuer la couleur fraisier en fleurs. Mais attention, parce que le vélin, eh ben, figurez-vous qu'on ne peut pas le coller n'importe comment. Donc avant de coller ceci, on va réfléchir, on va se poser, on va faire attention et on va voir où est-ce qu'on va mettre la déco. Donc ma déco, j'ai choisi de prendre le papier qui est aussi de la collection que vous avez vu il y a, bah, la semaine dernière. Vif et coloré. Et ça, c'est une bande de. Suspense. C'est une chute en fait. Donc une bande de 5,5 à peu près. 5,7. Sur 14,4 forcément, puisque le 14,4 ça fait exactement ça. Et vous savez pas quoi? On va déchirer. Donc on va déchirer en haut et en bas pour faire juste un petit style en fait. Voilà, un style déchiré très joli avec un Z. Hop. Voilà ce que ça donne. Oh, c'est pas mal. Donc je suis contente. Alors, c'est pas moi qui ai répondu. Ah, attendez. Oui, Sylvie, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, Rachel, on a accès à la communauté sur tablette maintenant. Ah, c'est vrai, je savais pas. Super. Bah oui, super alors. Bravo Isabelle, merci. Deux pour symbole de couple. Ah, pas belle Virginie, mince, dommage, j'ai mis 5. Zut, zut, zut. C'était vraiment un bon point quand même. Zut. Bon, tant pis. Voilà, donc là on a juste déchiré un peu pour faire un petit effet sympathique. On n'est pas obligé, mais c'est pour faire un peu moins rigide. Donc là on a cassé un petit peu le motif, hein, la rigidité de la carte, tout simplement. Et puis ben, on pourrait tout simplement aussi prendre un motif, pardon, feuillu. Parce que bon, j'aime bien les feuilles. Parce qu'à nouveau, hein, on n'a pas, on rappelle, on n'a pas de set de tampons qui est fait exprès pour le mariage dans notre. Enfin, on en a dans le catalogue, c'est pas ce que je veux dire. Mais imaginons qu'on n'en a pas dans notre scrap room, comment on peut faire? Défi, comment coller pour pas que ça se voit? Mais oui, Florence, tout à fait. Et donc, avant de coller, donc, on va faire la structure complète de la carte. Donc là, c'est notre fond. Et pour le motif feuillu, j'ai utilisé un dies, un poinçon de ce lot ici, magnifiquement unique, qui est très, 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 très beau. Donc, on va utiliser aujourd'hui ceci. On pourrait aussi utiliser autre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on ne va pas utiliser les tampons, on va utiliser seulement ce poinçon ici, donc, qui est dans ce lot magnifiquement unique. Et évidemment, par la magie de la télévision, eh ben, je l'ai déjà coupé. Parce que bah, 10 minutes par carte, voilà. Donc c'est déjà coupé et voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer de près. C'est extrêmement fin. C'est tout fin, tout fin. C'est super joli, très délicat. Et alors là, pour un mariage, bah, je trouve que c'est parfait. Même en coloré ou quoi, ou voilà. Et si on le fait en blanc, en argenté, imaginez, hein. Parce que là, toutes ces cartes ici, c'est juste des idées que, voilà, vous pouvez après décliner, évidemment, dans d'autres coloris. Voilà, donc on va le mettre comme ceci. Et on va mettre un petit mot au milieu. Voilà. Et le mot que j'ai choisi, il vient du même lot là, de tout à l'heure. Vous voyez, ce lot-là. Et c'est quelque part, voilà, ici. Ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour. Et comme on est en monochrome, eh ben, j'ai pris fraisier en fleurs, tout simplement. Oh. Alors après, tu l'aimes, tu le coupes. Maintenant, tu l'aimes, tu le déchires. Suzanne, excellent.
Voilà, donc là on va coller ceci, ah oui, et puis j'ai prévu de le mettre sur un autre vélin, parce qu'on a quand même du vélin, on reste dans le thème vélin. On utilise du vélin pour les mariages, c'est super. Et là on va le mettre comme ceci, par là. Voilà ce qu'on va faire, ça c'est le plan. Et ruban, ben oui, on prend du ruban. Donc on a pris à nouveau cet organza tout délicat pailleté. Donc maintenant qu'on a à peu près notre structure, et ben vous aurez compris où est-ce qu'on va mettre la colle. C'est-à-dire, je vais commencer par enlever ça. Voilà, par coller ceci, cette feuille-là, sur le vélin. Pour ça, j'ai pas besoin de ça. Je peux coller avec ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux bien, voilà, t'amorcer. Sur le tapis silicone, il aime toujours mieux. C'est ce que j'ai fait hors champ, là. Je n'aurais pas dû le faire hors champ, mais bon. Comme ça, vous savez ce que je faisais. J'étais en train juste d'amorcer mon petit stamping seal sur le tapis silicone. Voilà. Et là, on centre bien. Enfin, on centre. On fait en sorte que ce soit bien droit, là, par rapport au côté. Et voilà. Ce die est top, n'est-ce pas, Valérie? Il est juste génial. En effet, très joli, avec un Z. Eh ouais. Bravo, Isabelle. Ça rend très bien. Ah, super. Magnifique aussi, Christine. Super. Là, j'hésite à même à mettre ça en dimensional, mais bon, on va le coller tout de suite. Et puis, on mettra le reste en dimensional. Voilà. Donc, on va mettre la colle, comme on vient de dire. Hein, on met surtout la colle uniquement là où ça ne se verra pas. C'est-à-dire ici, derrière la bande. La bande de papier. Comme ça, on est sûr. Si jamais on met la colle sur le vélin, ben vous serez sûr aussi de quelque chose. C'est que vous serez sûr qu'on va le voir. À moins de le cacher avec un bling-bling, avec un ruban, avec un motif, quelque chose. Ça, voilà, c'est l'inconvénient du vélin. Mais c'est tellement beau, le vélin, qu'on ne peut quand même pas s'empêcher de l'utiliser. Juste pour une histoire de colle, quand même. Ce serait dommage. Voilà, donc pour l'instant, ce que ça donne, déjà, ça, c'est très bien. Et puis alors, les petits motifs, là, je trouve qu'ils font fête et tout. C'est parfait. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de chic avec ceci. Donc là, on va coller, c'est facile, là où on peut. C'est-à-dire là, je pense qu'on peut mettre un point de colle là. On aurait tout à fait pu utiliser les adhésifs, la feuille adhésive. Mais en même temps, s'il y a un peu de relief, c'est pas mal non plus. C'est-à-dire si c'est pas collé partout, eh bien c'est pas mal non plus. Parce que vous voyez que les feuilles, naturellement, elles sont un peu libres, quoi. Ce qui fait joli, quoi. Voilà, ça rend très bien, sublime légèreté. Mais oui, c'est ça, Corinne, exactement. Tout ce qu'on recherche. À nouveau, thème mariage, donc légèreté et tout ça, là, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Hop. Et ben ça, au milieu, c'est pas beau, hein. Attendez, je vous montre. C'est pas beau, hein, les tiges, là, comme ça, là. Du coup, on va cacher avec l'étiquette qu'on va mettre en plein milieu. Et avant de mettre l'étiquette, on va mettre le ruban, juste comme ça. Là, c'est bien aussi comme ça, non? Moi, je trouve ça très bien. Juste là. Et puis, ben ça, on va le mettre par-dessus après, comme ça. Voilà, c'était mon idée. Donc, on va voir. Enfin, mon idée. Vous allez voir où est-ce que j'ai trouvé l'idée. Hop, on met juste la colle. Tac. Et on centre. Et on est bon. Voilà. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Ça n'a pas grand-chose qu'à changer. Je vous montre quand même. Nicole, c'est très beau le papier vélin sur ta carte. Oui, et ta carte. Ok, n'est-ce pas, hein? Je ne pensais pas que cette couleur serait si belle, Isabella, tu vois. Claudia, je viens de recevoir ce vélin, il est magnifique, je suis bien d'accord. Le vélin, je pense que tu parles du vélin essentiel, hein? Essentiel vélin, là. Les motifs sont très, très beaux. Et utilisables, du coup, pour toutes sortes d'occasions, hein? Parce que là, on a pris thème mariage, mais il n'y a pas que thème mariage, hein? Ok, défi relevé. Alors, c'était quoi le défi? Qu'est-ce que j'ai dit, Flo? Excuse-moi, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. On parle pas comme ça, Rachel, on dit je sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on met tout ça sur Dimensional, évidemment. Alors, c'est la seule que je ne peux pas faire, j'ai pas de vélin. Ah, ok, mince, bon, c'est pas grave. Du coup, hop là. Du coup, ben, je sais pas. Ah mince, j'ai collé à l'envers. Oh, quelle gourde! J'ai collé, donc mon étiquette, l'endroit de mon étiquette, c'est là. Vous voyez le bord qui est tout lisse, qui est tout beau. Et là, l'envers, il est là. Vous savez pas ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de l'aplatir. Oh, ouais, avec le vélin, ça se voit. Oh, quel dommage. Bah non, tant pis. Il y aura une petite erreur sur la carte. Je suppose que les mariés vont pas le voir. Voilà. Et on colle. Et ça donne ça. Eh ben, il manque les bling-bling, évidemment.
Coller le vélin sans que ça se voit. Ah, ok. Magnifique les vélins, n'est-ce pas Sonia? Hein? C'est sublime. Je trouve le vélin, ça fait tout de suite très léger, très doux. Voilà. Pour les bling-bling de cette carte, j'ai utilisé les nouveaux bling-bling, paquets de 3 gemmes décoratives. Ils sont tout nouveaux, tout beaux. Pas encore utilisés, comme vous voyez. Je les ai reçus, je ne sais plus, pas ce week-end, dans la semaine dernière. Et donc, dans les bling-bling, vous voyez, il y a des tout petits filets d'argenté, irisé, quelque chose. Dans la caméra, évidemment, ça ne se voit pas bien. Ah, peut-être là. Du coup, ça fait, à l'œil nu en tout cas, très joli parce qu'on voit qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur, en fait. Donc voilà, ils sont très beaux. Et du coup, ils font bien fête, mariage et tout ça, quoi. Donc, on va les utiliser, évidemment. Et puis, bah, pareil, là, j'en mettrais bien plus que juste deux. On va faire une petite envolée de bling-bling, là. Si tu es d'accord, petit, de te mettre comme il faut. On va mettre là, alors. Voilà. Il n'était pas d'accord. Hop, un autre là. Et puis, on va en remettre de l'autre côté. Oh, ben alors. Hop. Je crois que mon mastic, il faut que je le change. Les bling-bling, ils s'enfuient. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux. Comme ça. Si c'est pas joli, ça. N'est-ce pas que c'est beau, hein? Avec les bling-bling, tout qui est assorti en une seule, même couleur, et voilà. On a une jolie carte de mariage, toute distinguée, je trouve, hein, avec le vélin, ça fait tout de suite vraiment très, très léger. Ce sont ceux qui vont avec la collection ou pas? Tu parles. Ah, des bling-bling, alors là, je sais pas. Je sais plus. Référence 161-624, si vous voulez regarder. Et ça s'appelle donc 3 gemmes décoratives, et on va regarder tout à l'heure dans le catalogue, voir où est-ce qu'elles sont. Tiens, voilà. Ok, dernière carte! On a 10 minutes. Voilà, ils sont sympas, mais oui, ils sont super sympas, Valérie, les nouveaux bling-bling. Alors, la dernière carte. Pour la dernière carte, attention, attention, roulement de tambour. Là, c'est le matériel que je vous avais dit que vous pourriez préparer, si vous le souhaitiez, pour la faire en même temps que moi. Alors, hop. Donc, nous, on va utiliser, je sais même plus. Voilà, on va utiliser ça, ce sera les bling-bling après. L'alphabet à la mode. Bon, pour faire des lettres, parce qu'avec cette carte-ci, on va faire une carte avec des initiales, parce que c'est quand même aussi tout à fait à la mode, et puis conseillé, ou bien je sais pas comment on peut dire, tout à fait bien, de faire une carte de mariage avec des initiales, les initiales des mariés, évidemment. Donc comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Ben, je vous montre un exemple, un exemple. Vous pouvez après faire ce que vous voulez. Donc pour ah, Viviane, bonsoir à toutes. Tu dois nous laisser. Bonne continuation et merci beaucoup d'avoir été là. Donc, évidemment, ça dure un petit peu plus longtemps mon live parce que 5 cartes en un live, c'est un petit peu chaud, chaud quand même. Donc, la base, elle reste la même, c'est-à-dire 21, 14,8, on plie en 2 à 10,5. Voilà, on plie en 2, c'est magique. Ça, c'est fait très rapidement. Hop! Ensuite, on avait besoin de deux matages. Donc, je vous avais mis papier coloré. Ah, je crois que j'ai mis les mêmes couleurs. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. En tout cas, ça doit être d'autres couleurs. Désolée, Laure. J'espère que j'ai pas mis ça. Je sais plus ce que j'ai mis. Pour faire un matage, en fait, vous voyez, en couleur, là, j'ai pris Lagon lointain. Et ça, c'est Pampinpan. Donc, les couleurs que j'ai pris, on va en mettre un dehors et un dedans. Et ensuite, le papier blanc. Hop là, le papier blanc, on a besoin de deux qui font donc 9,5 sur 13,8. C'est pour aller ici à l'extérieur. Bonne soirée Sabine, tu nous laisses aussi. Joli classeur dans vos sages. Oui, on va en parler tout de suite, Christine. Avec les initiales tendance, oui, on peut dire que c'est tendance. Isabelle, je ne sais pas trop à vrai dire, mais voilà. Donc ça, c'est juste un matage. Voilà. Donc on peut commencer déjà à coller le matage intérieur. Comme ça ne traînera pas sur la table, tout simplement. Hop. Et tac, on colle à l'intérieur. Donc là-dessus, évidemment, on va mettre notre petit mot doux et tout ça. Voilà quoi. Hop, et puis le. Ah non, c'est juste une tache, ok. Sur le papier. Le papier là, on va aussi le coller à l'intérieur, bien évidemment. Voilà. Comme ceci. Bon, mon intérieur, il est prêt, on est content, il est beau, voilà. Sandra, toi aussi, non, toi, t'as commencé une carte de mariage avec le prénom des mariés et la date de mariage, mais t'as pas encore terminé. Bah oui, là, si tu fais tout en personnalisé, effectivement, ça fait beaucoup de travail. Alors ensuite, notre avant ici. Eh bien, on va faire un petit pli, un petit pliage sympathique. Et pour ceci, on va plier ici
Ah, je pense que j'avais dit, parce que je ne l'ai pas essayé en fait la carte. On va laisser ensemble. Il me semble que j'avais dit 5 cm. Voilà, on va le plier. Ah, mais 5 cm, ça fait beaucoup. On va essayer 4 cm. Ce sera mieux. Voilà, 4 cm. Donc ça, c'est un modèle de carte que j'ai vu sur un réel. Vous savez, ces vidéos ultra rapides de 30 secondes. Sur un réel, du coup, il n'y avait pas de mesure, il n'y avait rien. De Jamie, Stamp It Up with Jamie, je crois. Ah oui, et pour ça, il faut d'abord marquer, Rachel. Faut marquer, hop, ici. Sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on commence. On va donc marquer ici à 4 cm. Vous voyez ce que je fais? Oui. Hop, hop. Voilà, 4 cm. Je fais juste un petit trait. Comme ceci, là, vous voyez, le petit trait, 4 cm. Et ensuite, je vais plier entre le petit trait et la pliure qui est ici, là. Donc là, comme ça, on va plier. On va marquer un petit pli. Hop, comme ceci. Hop là. Voilà. Et donc notre pli, on va le rabattre tout simplement comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. On est content. Mon plioir, il est là. J'ai dit qu'on a donc plié à 4 cm. Faut pas que j'oublie, n'est-ce pas? Et voilà ce que ça va nous donner. Devant, ça va être déjà très joli. Ensuite, j'ai dit 4 cm. Ça veut dire que tout ce petit monde, on va aussi couper 4 cm. Donc on va marquer d'abord, Rachel, sois organisée. 4 cm, on marque d'abord partout. Donc là, je prends à partir de 10, mais c'est pareil, hein, 4 cm. Tac. Ici aussi, 4 cm. Voilà. Et pareil, là, on va couper la diagonale. Donc entre la marque là que j'ai faite et la diagonale ici. Voilà. C'est bon, il n'y a pas eu d'autres commentaires. Je n'en loupe pas. Tout va bien. Du coup, on a zappé les blagues, hein, ce soir. Je pense que c'est plus facile avec le. Hop là. Pour suivre les 5 quarts, c'est beaucoup. Hein. Ici, pareil, donc il y a une petite marque jusqu'au là, la pointe là-haut. Hop. Tac. Et donc ceci, en principe, ça fonctionne bien ensemble. Voilà. Parce qu'on a gardé les mêmes mesures. Donc ça nous fait le matage pour l'avant ici. Voilà, que l'on pourra mettre. Et il va être tout élégant. Vous voyez que ça rentre très bien. En fait, on verra mieux si je. Tiens, j'ai pas prévu de ruban pour celui-là. Tant pis. Il n'y aura pas de ruban, je pense. Oh, ça paramétrera, je sais plus ce que j'ai dit, ça rentre très bien. Voilà. Rachel, elle commence une phrase. Il y a un truc qui fait bling dans la tête et c'est genre Dory. Oh! Et du coup, elle oublie de finir sa phrase. Oh là là, quoi, insupportable. Bref. Donc on colle parce que ben, ça fait joli, n'est-ce pas? Hop. Donc celles qui font avec moi, on rappelle la mesure clé, 4 cm. Hein. On marque tous nos papiers ici à droite, 4 cm. Et ensuite on colle notre joli matage. Voilà, comme ceci. Et donc après, quand on va replier, hop, ben, ça fera ça. Et ça fait déjà quand même pas mal. Et après, bah, en fait, mon papier ici, je vous avais dit 4,5, je crois, centimètres. Mais bah là, du coup, comme j'ai fait 1 cm en moins, on va enlever 1 cm. Ce qui veut dire que le rectangle, il doit faire 10 cm sur 3,5. Donc, on va ici enlever 1 cm. Voilà. Je changerai, du coup, les mesures qui sont sous la vidéo. Hein. Et là, on va couper en diagonale. Donc, comme c'est la diagonale qui est ici, voilà, on va couper cette diagonale comme ça. Hop, pour couper une diagonale comme ceci, vu qu'on a deux coins à droite et enfin, en haut et en bas là, le mieux c'est de mettre sa lame au milieu. Voyez? Comme ça, ben, notre pli, notre coin, on est sûr et certain qu'il sera beau toujours. Les deux côtés. Voilà. Hop, et puis ça, on va pouvoir le coller là. Comme ceci. Ça m'a l'air un petit peu juste quand même. J'aurais peut-être dû le couper un peu plus court, je sais pas. Ah, mais c'est que là, j'ai pas fait. Ok, je suis pas au coin là. Oh, vraiment, hein, Rachel, elle s'est même pas coupée de diagonale ensemble, quoi. Alors, là, ça va être un petit peu compliqué, hein. J'espère que je vais y arriver. La pression est à son comble. Le suspense est à son comble. Voilà. Donc, en principe, si vous faites correctement du coin à coin, ça marche bien. Voyez? Ça marche bien. Voilà. Ça marche bien, comme ça. J'ai collé. Avant de coller, il fallait en bosser, Rachel. Ok, on recommence. Vous avez encore le temps? On n'est plus à ça près maintenant. Hein. Alors, papier blanc. Oh là là, quoi. Du coup, il n'y a plus personne qui commande. Vous êtes tous partis ou bien ça marche plus? Dites-moi s'il vous plaît que ça marche encore. S'il vous plaît, faites-moi signe. Est-ce que le live, il est terminé? On m'a censuré. Ah voilà, on est très attentif à ce que tu fais. Merci. Bah alors là, pour le coup.
C'était peut-être pas une bonne idée, hein. Tu vois, j'ai fait des erreurs, quoi. Je me demande si on peut encore le décoller, peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'on peut? Ouais, peut-être. On peut encore le décoller. Vive la spatule. Oh là là. Magnifique. Donc, désolé, désolé à celles qui font en même temps que moi. Mon problème, c'est juste que là, je devais embosser. Parce que, bah ouais, je voulais montrer quand même l'embossage sur le blin, comment que ça fait chic. Donc voilà, bon c'est un peu ruiné, mais ce n'est qu'une... C'est pas grave, parce qu'après on va coller par-dessus. On te laisse te concentrer. Et tu vois, même si je suis concentrée, Rachel a oublié un truc. Alors, on a dit 4 cm, hein? Toujours. Hop, 4 cm, et on va couper. On est là, ok. Ouh, ça va, merci, merci. Ok, ça va, je suis rassurée. On est à l'écoute. Oh là là, à l'écoute de mes bêtises pour le coup, hein. Voilà, donc avant de coller... On rappelle, avant de coller, on embosse avec le super plioir. Là, c'est le nouveau plioir mûr. Donc, on va mettre tout ce, juste le papier là à l'intérieur, à peu près droit, parce que c'est un mur avec des briques, donc il faut que ce soit un peu droit quand même. Ça, on n'a plus besoin, merci. Hop, on ramène la machine. Oui, tu as déjà tout décollé. Ah oui, décollé avec la super spatule et l'outil touche à tout. Ben oui, c'est ça. Heureusement qu'on a cette super spatule quand même, hein. Je sais pas comment on ferait sans. C'était le set de tampon. Sans la super spatule. Donc voilà, on met tout ce petit monde là. Et puis on embosse. Pardon pour le tremblement de terre. Il faudrait que je trouve un moyen de ne pas avoir de tremblement de terre pour vous. Je sais pas comment on peut faire ça. Faudrait que j'accroche la caméra au mur, je pense. Et pas à la table. Bon, bref. Donc voilà, ça c'est bon. Et on peut maintenant coller. Voilà, ça fait mieux quand même. C'est mieux avec le plioir mûr, hein. Moi, je trouve en tout cas que c'est beaucoup mieux. Ça fait un plus joli contraste avec le blanc comme ça tout seul, hein. Il est beau ce petit mur, hein, quand même. Voilà, bon, bref. Trêve de plaisanterie. Hop, il y a un petit bout là qui restait. On peut donc maintenant coller notre papier blanc. Désolé. Ah oui, qui pourrait aller dans les deux sens, tiens, d'ailleurs. Vous voyez? Ça fait un sens comme ça et un comme ça. Bon, on va garder celui-là, mais j'ai l'impression que celui-là, il est même mieux. Hein. Bon, tant pis, regardez celui-là. J'ai déjà mis la colle. Allez, hop, on colle. Trop de bêtises pour ce soir. Hop, hop, hop. Voilà. Du coin-coin. C'est ça. Comme les canards. Hein. Du coin au coin. Coin-coin. Voilà. Cool, Rachel. Plus ça dure, plus on a le plaisir d'être ensemble. Oh, c'est beau, ça, Suzanne. Merci. Bah oui, il manque des blagues, c'est ça. Hein. J'envoie des petits cœurs, donc ça marche. Ah, super. C'est que moi, je les vois pas dans mon programme, malheureusement. C'est très... Oh là, c'est très dommage, d'ailleurs. Ça se voit pas non plus en replay. C'est dommage, hein, quand même. Hein. Les petits cœurs, là, que tu envoies, Sandra. Voilà. Bon, si vous êtes là, c'est bien. Les deux sens sont bien, n'est-ce pas, hein? Le motif mûr vieilli est très joli. Ouais, je trouve aussi. Plaisir, avec plaisir. Live, super. Où est ta trombone touch? Ma trombone touch. Ma trombone touch. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, c'est très bien. Maintenant, notre petit truc là. C'est là-dessus qu'on va mettre le mot. Alors, le mot, quelque part, j'avais. Voilà. Ce set là. Et ici, on a un tout petit félicitations. Parce que peut-être que vous avez ce set-là, vous n'avez rien d'autre, voilà, pour faire un truc mariage, un thème mariage. Et ben là, vous avez, oh, félicitations, en tout petit. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire une carte où le félicitations en riquiqui comme ça peut fonctionner? Eh ben, on fait une carte comme ça, par exemple. Alors, on prend la même couleur, c'est-à-dire le pan-pan-pan, n'est-ce pas? Voilà. Hop, félicitations. Et on va le faire là dans le coin. Alors, sans que ma tête dépasse. Voilà, c'est même droit. Figurez-vous que c'est même droit. Ouh, magnifique. C'est droit dans le travers. C'est droit dans le travers du truc. Eh, j'ai oublié en fait. Alors attention, c'est droit dans le travers. Ça faisait longtemps, hein, j'ai fait tout le live sans mon jingle. Oh là là, comment je fais? Ça vous a pas manqué, on dirait. Oh. Très joli ce motif, mûr vieilli. Mais oui, tout à fait, Corinne, je trouve aussi. Hein. Et en plus, comme dit Isabelle, dans les deux sens, il est joli. Je trouve. Voilà. Hop là. On colle et on est content. Voilà. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que quelque part, j'avais l'alphabet, qu'on peut utiliser l'alphabet. Alors, ben, l'alphabet, par exemple, on va dire que mes mariés, ils s'appellent Alicia et Christian. Voilà.
Alicia et Christian vont se marier. Donc du coup, on a découpé ça. Comment c'est qu'on a fait? Sorry, erreur. Qu'est-ce que t'as fait, Sonia? Erreur. Ah, avec plaisir. Où est ton trauma? Ah, ok. Il y a une erreur le correcteur a travaillé tout seul, quoi. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a coupé ça dans le papier métallisé or, évidemment. Et bien sûr, avant de le couper, on a mis le super... Oui, mon touche-à-tout. On a mis le super adhésif double face. Mais ouais, ça s'appelle feuille adhésif. Qui est d'ailleurs dans mon pack adhésif. Juste pour dire. Et donc ça nous permet d'avoir un autocollant. Voilà. Donc la petite pellicule là, on l'enlève. Je l'ai déjà utilisé sur d'autres lives. Hein, donc si vous voulez revoir l'utilisation, revoyez des replays. Ou alors dans des futurs lives, je vais forcément le réutiliser. C'est aussi possible. Donc là, je vais le coller. Hop. Et voilà, comme ça on est content, ça se met tout bien. Tac. Comme ceci. Et puis Christian aussi. Hop. Voilà. Tac et tac. Hop là, attention. Voilà, maintenant, imaginons que les mariés, ils ont choisi donc les couleurs pan-pan-pan, lagon lointain, et puis peut-être blé quelque chose. S'il m'a manqué, j'allais te le réclamer, de quoi qui t'a manqué, Muriel? Que d'idées, attends, je sais pas. Le papier adhésif, peut-être. Bon, bref. Et donc, dans ce super set de tampons, là, ici, amour pour toi, on a aussi des super fleurs, figurez-vous. Eh ben les super fleurs et des cœurs. On a aussi des cœurs. Eh bien, les super fleurs, figurez-vous que tamponner et découper et tout ça, ben voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça peut nous donner. Et ben là, on peut décorer tout ce petit monde, là, le petit coin, là, qui est tout joli comme ça, là. Eh ben on va le décorer avec nos petites jolies fleurs, comme ça, là. Comme ça, ça nous fait encore un thème avec des petites fleurs pour le mariage. C'est idéal. On va mettre une autre claire comme ça, peut-être. Et puis, on n'oublie pas des petits cœurs dans le bouquet, là. Ou bien alors, les cœurs... Ah oui, non, j'avais prévu, attendez. Les cœurs, j'avais prévu plutôt de les mettre là, comme ça. Parce que, bon, voilà, c'est eux les amoureux, quand même, à la base. Et puis, ben là, je sais pas. Pour mettre un beau bouquet, quand même. Parce que, bon, c'est un mariage, hein, attention. Hein. Donc, on fait pas n'importe quoi. On fait pas les choses à moitié. On fait bien et joli. Tac. Et puis, voilà. À peu près, quoi. Une au milieu. Mettre cachée un petit peu. Et puis comme ça. Voilà. Et puis le reste, on va mettre des fleurs. Des feuilles, pardon. Et les feuilles en blé sauvage. Parce que ben, les mariés, ils ont choisi le thème avec du blé sauvage. Ah ouais. Et voilà ce que ça donnerait à peu près. C'est pas mal, hein. 2 minutes. Ah, ok. C'est super, le jingle. Ah oui. T'allais réclamer le jingle. Ok. Alors, Suzanne, du coup, elle va entendre à nouveau le jingle. Je lis la blague de Suzanne. Deux militaires à l'entraînement. Pourquoi t'es-tu engagé? Parce que je suis célibataire et j'aime la guerre. Et toi? Moi, je suis là. Et toi? Moi, je suis mariée et je voulais la paix. Ah, mince. C'est magnifique. Voilà, j'adore. Bravo. Enfin, bravo. C'est pas très sympa, quand même. Hein, mais bon. C'est une super blague. Alors, du coup, avec mon super Stampin' Seal, je vais... coller la plus grande fleur déjà, que l'on va mettre ici, comme ceci, après la petite devant là, hop, on va la faire bien dépasser, après la feuille là, donc la feuille, on va la mettre derrière ça, hop là, donc on va coller un peu comme ça, on va lui mettre aussi une petite feuille à celle-là, là, pourquoi pas. C'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a pas le droit d'avoir des feuilles, hein. Attendez, comme ça, par exemple, hein. C'est pas mal, ça. Ouais, ça va. C'est très bien. Après, ben là, pareil, en fait. On va lui mettre ça comme ça. Hop. Un peu plus décalé, parce qu'à vrai dire, je voudrais juste cacher mon petit coin, là. Voilà, ça va. Et puis, on va mettre une en... Celle-ci, on va la mettre en relief. On pourrait toutes les mettre en relief. C'est juste que j'y ai pas pensé. C'est bien la peine que tu te... Ah, je sais pas. Muriel, il manque la fin de la phrase. Magnifique, cette carte. Ah, super. Ah, ça vous plaît. Yaya, Daniel, vous adorez. Carte sobre, super. Mais oui, tout à fait. Et en plus, franchement, réplicable à souhait. Enfin, vous pouvez la refaire avec d'autres thèmes.
ça fonctionnera tout aussi bien, je pense. Hop, on va faire comme ça, je pense, ça ira bien. Donc celle-ci, on peut la coller. Je crois que j'ai mis la colle trop haut, tant pis. Ah oui, j'ai mis qu'une feuille cette couleur-là. Bon, attendez. Faudrait remettre une autre comme ça. Mettre un petit point de colle là. J'ai mis la colle sur sous-main, bien sûr, sinon c'est pas drôle, hein. Vraiment, pas possible. Bon, allez, comme ça, on va dire, adjugé. Faut décider un jour. Hop. Et puis donc celle-ci en relief. Magnifique cette carte. Oh, ça vous plaît, super. Ce pan-pan-pan, ces couleurs, je craque. Cette carte est magnifique. Oh, trop gentil, Isabelle. Merci, merci. Hop. Voilà. La dernière. Et bien sûr, le reste. Ah oui, j'ai oublié les cœurs. Oh, comment ai-je pu oublier les cœurs? Pas possible. On colle les cœurs aussi. Les cœurs et les bling-bling. On n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Attendez. Hop. Je vous avais dit, hein, dès le début, hein, je vous avais dit, on va forcément finir en retard. Ça, c'était clair et net. Mais bon. Ça vaudra le coup, je pense. Hop là. Avoir 5 idées de cartes de mariage, des styles complètement différents à chaque fois, c'est quand même super chouette. Et donc ça, si on veut, ben on met à l'intérieur ce qui reste, quoi. Et puis, comme par hasard, il reste tout bien ce qu'il faut. Ah, oh, c'est trop bien. J'adore. Donc, on va mettre une là, une autre là. Allez, mets-toi bien. Comme ça. On est bon là, hein? Ouais, c'est pas mal. Ou bien, on pourrait même la mettre là, en fait. Oh. Comme ça, on a quand même la surprise. Bon, non, tant pis, on va pas faire d'exotisme aujourd'hui. Ça suffit pour aujourd'hui, je pense. Vous en avez marre. Hop, on met ça. Donc, on a dit par là. Faut quand même que ça se voit, Rachel, mais plus haut. Ouais, on va faire comme ça. Avec la petite là. Tac, et oui, c'est bon. Alors, Laure, oui, j'ai fait pour autre chose, mais c'est super facile. Bah oui, avec ce petit angle, c'est très sympa, n'est-ce pas, hein? Au départ, je voulais vous le faire un live complet, que avec ce petit modèle de carte, enfin ce petit coin-là. Et puis en fait, je me suis dit, bon, ça va vite quand même, on pourrait faire d'autres choses. Et puis je me suis dit, ah bah pour un mariage, c'est super. Voilà. Donc jusqu'ici, c'est quand même pas mal du tout, hein. Évidemment, les bling-bling. Alors les bling-bling, je me suis dit que puisqu'on est dans doré, tout ça, bah peut-être que, ouais, ça ira très bien. Vous voyez les sequins, donc ça s'appelle. Sequins autocollants pastel qui sont ou bien qui ont été repris du mini catalogue et bah du coup ils seront très très bien là pour ma petite carte là. Hop, alors les sequins on peut les prendre avec la spatule, c'est idéal. Mais alors tu veux plus rentrer? Tac tac tac. Voilà. Alors avec les sequins je disais c'est très bien avec la spatule. Donc là c'est la fête. Donc on va mettre des petits sequins un petit peu partout. Tout, voyez-vous? Ouais, ça va comme ça. Un autre, même ouais, à l'intérieur. Eh ouais, eh ouais. Et voilà. C'est pas mal, hein? On n'en mettrait pas plus, des sequins? Non, on va laisser comme ça. Je vous ai envahi déjà avec mes bling-bling, là, toute la soirée, donc ça va, on va laisser comme ça. Ok, voilà, elles sont toutes magnifiques. Bon, bah ça vous plaît alors, c'est super. Je me demandais pour l'arrière. Ah oui, pour là-haut, hein? Bah oui, en fait, pourquoi pas, hein? Après, ça fait pas moche. Ça va encore. C'est ma préférée sur les 5, mais elles sont très belles, Christelle. Ah, super. Voilà, évidemment, cette fois-ci, cette carte-ci est tout à fait réutilisable pour autre chose hein, qu'un mariage. Mais juste pour vous dire, donc un mariage avec l'embossage à froid aussi, c'est magnifique. Embossage, fleurs, du doré, voilà. Voilà, donc mes 5 idées de cartes pour un mariage. Alors, partez pas tout de suite parce que je voulais quand même vous montrer où est-ce que j'ai trouvé ces idées. Voilà ce que ça donne, donc, hein, à peu près. Je sais pas pourquoi je fais ça, puisque je vais cacher tout, là, dès tout de suite. Bref, c'est pas grave. Alors, on va commencer avec la carte simple qui est ici. Où ai-je donc trouvé cette idée-ci? Ben oui, j'ai trouvé dans le catalogue! Mais oui! Alors, prenez votre catalogue, mesdames et messieurs. Tiens, j'ai pas vu Pascal ce soir. À la page 75. Page 75. Eh ouais! On a ici une page avec des cœurs, et on pourrait très bien dire que ça, là, enfin, c'est pas qu'on pourrait dire, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis inspirée de cette carte-ci pour faire ce résultat. Je me suis dit, mais tiens, là, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir beaucoup de matériel, il y a des perles et tout ça, ça peut faire tout à fait mariage. Donc voilà, pour la carte vraiment toute simple, sans, avec peu de matériel, j'ai pris l'inspiration ici. Ok, maintenant, la deuxième, j'ai trouvé dans ma tête, voilà, la deuxième qui est donc ici.
Parce que forcément, c'est du tu l'aimes, tu le coupes. Je me suis dit, bah, tu aimes, tu le coupes, voilà, c'est facile. Après la troisième, page 67, vous allez forcément la reconnaître. Et là, voilà! Vous la reconnaissez, celle-ci-là? Ben oui, c'est exactement, ou presque exactement, c'est celle-ci. Et voilà! C'est exactement le même façon de faire, quoi. Voilà, page 67. Tac, ça, c'est pour celle-là. Ensuite, la monochrome, celle-ci, Frésia. Eh ben, j'ai trouvé l'inspiration. Tenez-vous bien, page 102. Oh. Page 102, ici, nous avons cette carte-là. Donc, il n'y a rien à voir, vous allez dire, hein. Regardez, pas grand-chose à voir. Les couleurs, à peu près, elles sont différentes. Enfin, presque le fond, ok. Mais sinon, tout le reste, c'est complètement différent. Mais on peut tout à fait en faire une variante pour un mariage. Et oui. Et puis c'est tout, voilà. Parce que celle-ci, c'est donc dans ma tête. Et puis celle-ci, c'est sur... C'est Jamie Stampin' It, oui, Jamie, un truc comme ça. Voilà. Donc pour tout ça, pour vous dire que votre catalogue... Je sais plus si c'est encore écrit. Ça n'est plus écrit. Mais avant, ça s'appelait catalogue d'idées. En fait, il regorge d'idées. Donc, si vous cherchez un jour une inspiration pour quelque chose, eh bien, observez-le attentivement. Parce que certes, on a ici une page pour les mariages, voyez, mais on n'est pas obligé de s'inspirer de ça. Pas du tout. On peut prendre n'importe laquelle et la transformer avec un mariage. Pour un mariage, pardon. En utilisant les petites astuces. Donc, soit utiliser de l'embossage à chaud, utiliser de l'embossage à froid, utiliser du vélin. Voilà, utiliser de la couleur vanille, pourquoi pas, et puis utiliser ce qu'on a en utilisant bien des bling bling. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous montrer ce soir. Alors on a enfin fini. Vous devez-vous vous dire, je suppose, c'est enfin fini. 1h30, oui c'est tout, c'est pas beaucoup. Voilà, donc je vais vous laisser, c'est une mine d'or exactement. Alors, ça vous a plu, visiblement. On le bouquine pourtant le catalogue. Mais c'est vrai qu'on a tendance à ne regarder que les articles. Alors qu'en fait, eh ben, on devrait regarder les modèles de cartes. Et puis se dire, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait ressembler? Utiliser ce qu'on a pour, voilà, faire une carte qui nous plaît du catalogue. Voilà, voilà. Bon, ben, vous êtes installés pour la nuit. Ben, non, non, on va pas rester toute la nuit ensemble, quand même. Faut pas exagérer, je prie beaucoup de votre temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura plein d'astuces que vous pourrez réutiliser. Donc, pas forcément pour des mariages, pour autre chose aussi. Notamment, cette carte-ci, elle est tout à fait utilisable pour autre chose que des mariages. Mais, voilà, voilà, quoi. C'est tout. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Oh, vous avez pas vu le temps passer. Merci Nathalie, c'est trop trop gentil. Non, pas enfin. En tout cas, moi aussi, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je m'excuse d'avance pour celles qui vont penser qu'il y a trop de blabla et tout ça, mais je pense vraiment que j'ai dit des choses utiles là aujourd'hui. Je me défends, vous voyez. Non, sincèrement, j'espère que ça vous aura plu, que vous referez des petites cartes, donc pas pour mariage ou pas, mais qu'en tout cas, si vous êtes à la recherche d'idées pour des cartes de mariage, puisqu'on est en plein dans la saison, eh bien j'espère que mon live vous aura aidé. Voilà. Bonne nuit donc, bonne soirée, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Bye bye.